Oui, nous avons fracassé cette roue en carbone, mais c'était dans les conditions d'essai de cette paire de roues enduro pour voir juger de leur qualité, mais également de leur résistance. Rien ne s'est passé comme prévu. Voici sans attendre le test extrême des roues Amarok Adrenaline. Salut Rideau, salut Rider, bienvenue sur Enduro Bike, salut Rémi. Salut Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test bien particulier, puisqu'en plus d'être un test à long terme, c'est également plutôt deux tests, puisqu'on a testé deux paires de roues en VTT en carbone de la marque Amarok. Une paire dédiée au VTT et une paire spécifique pour les VTT AE. Mais avant toute chose, tu vas nous parler de la marque Amarok. Ouais, alors Amarok, c'est une marque, je devrais même dire peut-être un monteur de roues belge, qui fabrique ses roues avec ses propres composants et surtout qui fait tous les montages à la main dans les règles de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une vraie valeur ajoutée. Petite particularité du montage artisanal chez Amarok, on peut choisir sa tension de rayon pour choisir la rigidité et la tolérance de la roue carbone. Alors, c'est pas ça, la tension de rayon qu'on ajuste, mais effectivement, on peut choisir certaines spécificités dans le montage qui permettent d'avoir des roues plus ou moins tolérantes en fonction du comportement qu'on veut et du vélo qu'on a aussi, parce que ça, c'est assez important à choisir. Rémi, est-ce que tu peux nous détailler le montage et les spécificités du modèle Adrenaline classique et celui adapté au VTT AE, puisque c'est pas tout à fait le même montage? Exactement. En réalité, c'est des roues qui partagent la même jante, une jante carbone en 30 mm interne qui est fabriquée en Asie, mais uniquement sur la demande d'Amarok, donc avec leurs propres spécificités, ce qui fait que vous les trouverez que chez eux. Là où il y a une différence, c'est sur le reste du montage. Les moyeux sont des Hop Pro 4 pour les VTT AE, alors que sur les VTT classiques, on a des moyeux pour le moment génériques, mais qui à terme devraient être fabriqués en Belgique, et qui, même s'ils viennent d'Asie, en revanche sont entièrement montés en Belgique. C'est-à-dire que les roulements sont installés chez Amarok, ce qui permet d'avoir des roulements de qualité supérieure, et en plus qui sont parfaitement alignés, ce qui est gage de fiabilité dans le temps. Ok, au niveau nombre de rayons, poids, prix, est-ce qu'il y a des différences? Oui, alors au niveau du nombre de rayons, on est à 32 rayons sur le VTT AE, 28 sur les roues VTT classiques. On est à 1799 pour la paire de roues et les VTT classiques que j'ai ici sortent à un petit peu moins de 1700 grammes. Ouais. Du coup, toi, tu as testé la paire de roues VTT classique, donc tu les as emmenés, tu les as testés longuement, bien sûr. Tu as fait plein d'enduro avec. Exactement, des compètes, du trip. Avant de passer à tes ressentis terrain sur cette paire-là, on va plutôt voir avec Max, puisque Max a testé la paire dédiée au VTT AE. Il avait pour mission de les brutaliser et de les casser, soyons clairs, mais rien ne s'est passé comme prévu. Et d'ailleurs, on va appeler Max tout de suite. Allez, c'est parti. Hello Max! Yo! Comment ça va? Hey, ça va les gars? Bon, je crois pas me tromper en disant que t'étais carrément sceptique, toi, sur les roues carbone, sur un VTT AE. Ouais, carrément, j'étais un petit peu sceptique, ouais, parce qu'on a tendance à se dire, bah, on a le moteur, pourquoi mettre des roues carbone? Du coup, ouais, un petit peu sceptique, en effet. Donc ta mission, c'était de fracasser cette paire de roues en carbone de la marque Amarok. Est-ce que tu y es arrivé? Eh ben, figure-toi, Hugo, j'y suis même pas arrivé. Pourtant, j'en casse souvent des roues, honnêtement. Mais là, j'y suis pas arrivé. J'ai fait une course avec, je les ai pas mal tapés sur la course. J'ai même pas fait exprès, mais je les ai pas mal tapés. On a essayé de les casser plusieurs fois en roulant vraiment dans des conditions, on va dire, classiques. Et ben, elles ont pas bougé. Elles ont pas bougé, franchement. Elles ont pas un poil de jeu, pas un poil de voile. C'est impressionnant. Et comme quoi, les préjugés, hein, tu vois. Et pourtant, te connaissant, je pense que tu y es pas allé de main morte. Hein. Bah, tu te souviens de Montclar. Hein. Ouais, je me souviens de Montclar. Hein. Oh oui, à Montclar, elles ont pris cher à Montclar. Elles ont tapé plusieurs fois les cailloux, etc. Et pareil, nickel, impeccable. Surpris. Alors moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête. C'est la pertinence d'une paire de roues en carbone sur un VTT AE, puisque le rendement, bah, on s'en fout un peu. Exactement. Et alors, qu'est-ce que ça apporte? Ouais, bah, comme tu l'as dit, le rendement sur un vélo électrique, ça a peu d'importance parce qu'en fait, on a le moteur, donc on s'en rend pas forcément compte. Par contre, pour le coup, moi qui ai un gros vélo, gros VTT AE électrique avec un gros ressort 1.38 avec 150, 160 en 29, j'ai vraiment senti la différence dans les montants. Le vélo, il est plus vif, plus précis. Franchement, il y a une grosse différence. Dans les virages, il ressort plus vite, il garde mieux la vitesse. Ça change vraiment le comportement du vélo qui était tendance à être un petit peu mou par son cadre en alu. Là, pour le coup, il est un peu plus vif. C'est peut-être le bon compromis, selon moi. Du coup, Max, petite question. Est-ce que tu remets tes roues en aluminium sur ton VTT AE? Ah, je crois pas. Hein. Je crois que je vais garder les roues carbone. Elles sont vraiment bien. Ça a vraiment amélioré mon VTT AE. Il est encore plus rigide et plus précis. Franchement, je garde.
Bon bah merci Max, passe une bonne journée. Ciao, ciao. Allez, ciao, bye les bye. Gars, à plus, bonne journée. Rémi, on peut voir que Max avait l'air plutôt enchanté par le modèle d'adrénaline dédié au VTTAE. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de des qualités de ces roues à Maroc? Ouais, bien sûr. Comment t'as trouvé le montage déjà? Alors déjà, la première chose, effectivement, c'est que dès que les roues sont arrivées, je les ai passées sur le pied de centrage, j'ai tout contrôlé. Elles sont montées vraiment excellemment, enfin, le montage est excellent. Les tensions étaient très homogènes, on avait très peu de sauts, très peu de voiles, enfin, c'est très contrôlé, donc vraiment un montage de qualité. Ouais, c'est un montage artisanal, quoi. Voilà, de mais un vrai... Monter les exactement. Roues. Ouais. Et surtout, ça n'a pas bougé au cours du temps, hein. Les roues sont toujours droites, il n'y a rien qu'à moufter, alors qu'elles ont quand même pris cher. Ouais. Ça fait 8 mois que je les teste, on a fait de la montagne, des enduros, des compètes, des trips, enfin, j'ai rien épargné. Vous avez épanier, pu quoi. Le voir à différents endroits, à Montclar, voilà. À Réalon, qu'est-ce que tu as fait d'autre encore? L'enduro des Terres Noires, j'ai fait quelques trips dans les Ardennes aussi, sur les Terres de Marais, donc elles ont bien roulé, hein, ces petites Maroc-là. Exactement. La première chose, c'est que... Vous le savez sûrement, puisque vous avez peut-être vu d'autres tests de roues carbone que j'ai pu faire. Moi, j'aime beaucoup les roues carbone parce qu'elles ont... Il y a toujours un feeling particulier sur le carbone. C'est quelque chose qui est très dynamique, même sans parler du poids, en fait. Ouais. Quand en plus, on a des roues comme celle-ci, dont le poids est quand même contenu, on a vraiment un rendu très intéressant sur le dynamisme. Le vélo est beaucoup plus punchy au pédalage. Et puis, surtout, dans tous les replis de terrain, on prend beaucoup surtout plus de vitesse. Ouais. Voilà, les appuis, on ressort dès qu'il y a un peu de terrain qu'on peut pomper. Le vélo accélère beaucoup plus vite, c'est hyper agréable à ce niveau-là. Et sur un gros enduro comme j'ai, ça permet de l'alléger un petit peu et de donner vraiment beaucoup de dynamisme dans le vélo, ce qui est vraiment un gros point positif. Rendement, par rapport à toutes celles que tu as testées, est-ce qu'au rendement, tu as une franche différence ou Alors, il n'y a pas une différence énorme, hein, on ne va pas se mentir. En tout cas, ma perception, c'est que le poids, finalement, n'impacte pas tant que ça. Si je compare, par exemple, avec des Envy Carbon AM30 qu'on avait testé, qui étaient nettement plus lourdes, hein, 200 grammes de plus, j'ai en tête. La différence, c'est pas importante, c'est pas au pédalage qu'on va ressentir une grosse différence. Même, par exemple, par rapport à des roues en aluminium que j'ai, qui peuvent peser pas loin de 2 kg. C'est pas instantané au pédalage. Le rendement, c'est pas cela qui va vraiment changer le plus. En revanche, vraiment la précision et le dynamisme, là, ça n'a rien à voir. C'est un monde complètement différent. Et du coup, c'est quelque chose qui a bien prendre en compte dans le choix des roues. Ok. Les roues sur un VTT enduro, ce qui peut faire peur sur les roues carbone, c'est l'exigence que ça demande. Est-ce que sur le montage plutôt tolérant, est-ce que tu retrouves une exigence quand même ou est-ce que c'est... Alors c'est comme je disais, il faut vraiment bien choisir votre modèle. Par exemple sur ce vélo là, elle se marie parfaitement. C'est-à-dire qu'on a un vélo qui est de base pas trop rigide et du coup l'ensemble fonctionne vraiment très bien. C'est pas trop dur à tenir, c'est pas trop physique. Ouais. Par contre, sur mon ISO qu'on connaît, hein, qui est un peu une barre à mine... Ouais, c'est un petit trail en 130 mm qui est voilà, vraiment très rigide. Voilà, qu'on a bien testé. Ouais. Même si c'est à des années-lumière de ce que, quand on l'avait testé avec le XC1200 de chez DT Suisse, qui sont elles aussi des barres à mine, c'était raide comme la justice, c'était infernal. Là, c'est beaucoup plus confortable. Maintenant, ça reste un peu dur à l'arrière. On sent que l'arrière perd encore du grip. Ça reste physiquement assez exigeant. Il faut vraiment... pousser dedans tout le temps, c'est un petit peu trop peut-être pour ce vélo-là. D'accord. Voilà. Maintenant, sur l'enduro, clairement, c'est vraiment un combo que j'adore. Et globalement, dans toutes les jantes que j'ai testées, elles sont quand même sur le haut du panier au niveau tolérance. Là où on s'en rend compte aussi, c'est sur les vibrations. Quand on était à Réalon, ouais. À Montclar, on est quand même sur des bike parks dans le sud avec beaucoup de cailloux. Ah, y a beaucoup et de en fin de journée, de la racine, enfin ça tabasse beaucoup. Et en fin de journée, j'avais pas du tout les mains bloquées, crispées avec. Donc voilà, je sais pas si c'est que les jantes qui jouent, mais en tout cas, on sent que ça filtre bien, que ça apporte un vrai gain à ce niveau-là. J'ai un petit sourire parce que je vais passer à une question qui est radicale. On a aussi peur de la fragilité du carbone. Ouais. On a vu en intro qu'on avait pété une roue. Voilà. Et en fait, comme rien ne s'est passé comme prévu, c'est le petit Rémi qui a pété la roue à Montclar, justement, en faisant une récepte sur un caillou comme ça. Un petit peu, ouais. Donc je pense que... C'est ce qu'on appelle un incident de parcours, Hugo. Est-ce que ça traduit une grande fragilité? Parce qu'il y a une petite histoire derrière à raconter. Parce qu'elles ont cassé franchement en deux, sauf que...
Alors du coup, effectivement, c'est un truc assez incroyable, c'est-à-dire que, bon, j'ai cassé des roues sur une récepte de saut dans un caillou, là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais, j'étais plié en une roue double à lui, down, sans mousse, une roue à lui, je la fracassais pareillement. En tout cas, je mettais un poc en travers. Là, la jante, vu qu'elle a cassé à deux endroits, on pense qu'elle s'est trop déformée et que ça a fait casser la fibre. Sur le coup, j'ai cru que j'avais burpé, parce que j'ai perdu de la pression. On a fini la piste en faisant attention, et puis quand on est arrivé, je me suis dit, bah, j'ai peut-être crevé, on a regonflé. On s'est rendu compte que là, la jante était pétée. La pression tenait, puisque le scotch n'avait pas été défoncé. Et j'ai fini la journée à rouler avec la roue pétée. Comme si elle était neuve. Au début, je me suis dit, bon, on va faire un peu gaffe, ouais, faut que je tienne la fin de la journée. Et puis en fait, au bout de deux pistes, j'ai dit, bah, allez, on va la fracasser. Et j'ai jamais réussi à la fracasser. Non. C'est-à-dire que j'ai roulé comme un charclos, avec des travers, à tout poser n'importe comment, et ça n'a pas rebougé. Et le soir, barbecue, et là, on a essayé de refracasser la roue. Alors, il a fallu enlever le pneu et s'y acharner quand même pour, ouais. Alors, pour on a, démolir. On a laissé le pneu en place, mais il a fallu le dégonfler complètement, ouais, le déjanter, ouais, pour vraiment la terminer. Et franchement, on était quoi, une bonne dizaine présents. Personne ne pensait que la roue tenait, allait tenir en fait aussi, ah, bien, oui, aussi et aussi longtemps, ouais, alors, ouais, qu'elle était déjà fissurée. Donc effectivement, oui, rien n'est indestructible. Mais fragile, pas tant quand même. Hein. C'est ça. Et puis on voit souvent cet argument de dire, ouais, mais un carbone, ça casse net. Si je casse ma jante, ma course, ma journée, mon trip, il est fini. Bah, la preuve que non. Bah, la preuve que non. Et que finalement, j'ai eu le cas avec des roues alu. Bah, mon trip, il n'était pas moins fini parce que quand la jante, elle est complètement poquée, bah, le pneu tient plus l'étanchéité. On peut remettre une chambre ou sinon, ouais, faut bricoler. Temps, enfin, bon, bref. Et c'est pas mieux, quoi. Voilà. Dernière petite question, le positionnement tarifaire de ces Amarok. Puisque je crois que le prix a augmenté un petit peu avec la crise. Nous, on les a eu l'année dernière, elles étaient, oui, à 1599. Là, elles sont à 1799. Est-ce que tu trouves ça justifié, pas justifié, pertinent, pas pertinent? Si on compare à l'offre actuelle du marché, on est plutôt dans la moyenne, je dirais. Hein. Si on regarde des roues carbone haut de gamme avec un montage artisanal, on aura à peu près toujours ce prix-là. Après, peut-être que chez d'autres marques, chez d'autres monteurs, vous trouverez des montages équivalents avec des moyeux de marques plus connues, donc qui seront peut-être un peu plus, on va dire, flashy. Maintenant, si c'est pour avoir une jante de moins bonne qualité, parce que c'est un modèle générique qui n'est pas, mmh, sur des spécificités de la marque, finalement, vous allez peut-être gagner quelque part et perdre ailleurs. Mais voilà, okay. Une paire de roues Envy M30, c'est plus de 2000 euros. Ouais, plus de 2000. On est voilà, dans les... Enfin voilà, on retombe dans les mêmes eaux finalement pour des roues équivalentes. On termine par un point, est-ce qu'il y a des spécificités au niveau de la garantie? Oui, c'est des jantes qui sont garanties à vie. Et avec, si vous avez comme nous un vilain accident de parcours, la possibilité d'avoir des crash replacement, ouais, etc. Donc là aussi, on est plutôt dans la bonne moyenne de ce qui se fait actuellement. Eh ben ça marche, je pense qu'on a bien fait le tour du propriétaire de ces, ouais, roues Amarok. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à aller voir le petit article qu'a écrit Rémi sur la paire de roues, le test complet, vous allez y retrouver tous les détails techniques. Ouais, exactement. Et puis, bah, nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien. Ridez safe. Ciao. Moi, je les garde sur le vélo. Hein. Ah ouais? Ouais. Ciao. Okay. Allez, c'est ça.